Salut tout le monde, c'est Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour l'écoute du nouvel album de Mac Taylor, Je suis une légende. Actif depuis 1999, il s'est fait connaître avec son compadre MacGregor, avec leur duo Tandem. Alors, ce que je sais de Mac Taylor, moi personnellement, je sais que c'est un rappeur du 93 qui a des punchlines très bien écrites, qui a un flow très énervé, qui pose souvent sur des prods assez lourdes. Personnellement, je me suis arrêté à l'album Hat Trick. Beaucoup de sons qui ont été produits par Blastar. Big up à Blastar. L'album m'a rendu ouf. Les prods étaient violentes. Les phases, elles étaient mortelles. Mais depuis, j'ai pas écouté de Mac Taylor. C'est vrai que, en fait, juste après l'album Hat Trick, j'ai entendu quelques sons. Des sons où il était un peu plus électro, il commençait de l'autotune, etc. J'ai pas vraiment écouté parce que c'est vrai que Mac Taylor, c'est pas un artiste que je suis de manière régulière, mais que j'aime parce que c'est un bon rappeur. Donc là, je vois quoi, Mac Taylor sort un nouvel album, Je suis une légende. Je me dis, avec un titre comme ça, il devrait peut-être revenir aux sources ou je sais pas quoi. Je connais un seul titre sur les 18, le titre qui passe à la radio avec Maître Gims. Je crois que c'est Laisse-moi te dire, c'est le deuxième son. De l'album, je sais absolument rien. Donc comme vous là, l'album, je sais rien du tout. Là, peut-être que vous savez même plus que moi. Apparemment, le titre Je suis une légende, donc le premier son de l'album, est pas sur les ondes. J'ai même pas entendu, donc ça se trouve vous le connaissez, moi je le connais pas. Dans tous les cas, c'est parti, on se lance. Je suis une légende, Mac Taylor. Track numéro 1, Je suis une légende. Après la mort, il y a l'enfer, il y a le paradis. Derrière l'amour, il y a la passion, la peine et la tromperie. Derrière mes larmes, il y a de la rage, j'ai beaucoup de regrets. J'ai senti jamais, je suis pas en paix, je sais plus comment faire. Déter tel un camère, c'est mon feu hélicoptère qui me maintient dans les airs, qui me sort de la galère. Je prendrai encore de la coke, je prendrai encore du pédo. J'aurai encore des envies de meurtre sur trop l'eau. Un loupard qui roule en queue dans mon sillage. Quand je valide une prod, je rentre pas en cabine d'essayage. J'ai volé l'armure de Pécas à Seiya. J'attends le prix du GP. Pas mal l'intro. Il y a des petites phrases que j'aime bien. Une référence à Senseiya. Je m'attendais pas, mais pas mal. Track numéro 2. Featuring Maître Gims, Laisse-moi te dire. J'éteins ma télé, j'éteins ma lumière, puis j'éteins mes bougies. Je me rends compte que je suis seul et que tous mes amis, oui, sont partis trop vite. Y'en a qui ont simplement disparu, comme tous ces frères qui se font tuer dans la rue. Laisse-moi te dire que tu perdras, oui, la rune t'obligera à éprouver ton courage. Tu te bats pour une. Laisse-moi te dire que tu perdras, oui, la rue t'obligera à éprouver ton courage. Et tu te bats pour une femme qui au final ne t'aime pas, oui, la rue te fait du charme, oui, je t'aime. De Mamadou, mais Mamadou nous a quitté. Il cherche des nouvelles de son ex. Mais la belle, il a, je l'ai marié. Ah putain. En fait, c'est con, mais j'aime bien ce morceau-là. Dans le sens où. En fait, ça, c'est complètement différent du Mac Taylor dont moi je me rappelle. Il chante avec autotune. Donc vous allez me dire, ouais, t'as dit que Booba avec autotune. Blablabla. Ok, oui, j'ai dit ça, c'est vrai. Mais Booba, il utilise autotune depuis. Autopsie 4, je crois. Et il utilise tout le temps pareil. Bon, après, c'est parce que moi, Mac Taylor, j'ai pas écouté ce qu'il faisait avant. D'accord? J'ai entendu, entre guillemets, ce qu'il faisait avant, mais j'avais vraiment porté attention à ce qu'il faisait avant. Enfin, avant, entre Hat Trick, l'album Hat Trick, et maintenant. Là, laisse-moi te dire, je l'aime bien parce que il chante, il a un bon texte, et Maître Gims délivre encore une fois un bon refrain. Voilà. On passe son numéro 3, Bruce Wayne. Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. J'ai les yeux lourds, négro. Ah ouais? Pourtant je n'arrive pas à pioncer. Y'a Closet qui m'obsède. J'suis pas du genre à pillard pour oublier. J'ai signé chez Monstre Marin. Ouais. Maintenant les points je dois les plier. J'fais l'amour et la guerre dans les tranchées. Cherche un bon plan histoire d'être enquillé. Tu veux quoi? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Tu veux quoi? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Je vais tuer le roi Geoffrey parce qu'il était cruel et mauvais. Bruce Wayne, je m'attendais pas à l'instru trap de ouf là.
Alors ce que j'ai aimé dans le son, c'est encore une fois, il utilise des punchlines et des références à la culture populaire, enfin populaire entre guillemets. La référence par exemple au roi Jeffrey Baratheon de Game of Thrones, lourde, lourde quand même la référence. Justement, il dit dans le son qu'il a signé chez Monstre Marin, et si je ne me trompe pas, ce Monstre Marin, c'est le label de Maître Gims. On enchaîne avec titre numéro 4, El Chapo. Est-ce que c'est une référence à l'album de Caris? Je sais pas. Écoutons. El Chapo, je suis une légende. J'ai l'écrit à ma scène. J'ai vu le petit diamant avant du crack à des mecs avec qui je traînais au collège. Le succès m'attend, mais j'ai les mis en galère. Aucun élément à charge, mais la juge t'en a rien à faire. Tu comprends dans mon délire? Tu comprends dans mon délire? Si j'ai vendu la drogue, viens dans mon quartier, tu pourras acheter des t-shirts. Je vous vois dans les étoiles, la bâtie est volée. T'es temps de les barbeler. Socrate, il pense à s'isoler. Ouais, pas totalement fan du son. Et en fait, j'ai fait une recherche et El Chapo, en fait, c'est pas forcément référence à Caris. En fait, ça fait référence à monsieur Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, dit El Chapo. C'est en fait un mafieux mexicain qui a été en février 2014 arrêté et qualifié comme plus puissant narcotrafiquant du monde. Voilà. On passe au numéro 5, Bandit. On mène une vie de merde, mais on se démerde. On a trop de rage dans le cœur, on fait niquer des mères. On est tous des gosses de tasse, on cherche des privilèges. Même en été, on peut te faire tomber la neige. On est tous des haines, on est si proche des problèmes. La zone est criminogène, c'est pour ça qu'on est des bandits. C'est pour ça qu'on est des bandits. Non, j'aime pas vraiment là. Là, une track numéro 5 Bandit. Non, je suis pas trop fan du tout là. Je sais pas, je trouve que le son il est. En fait, l'instru il manque quelque chose. C'est bizarre, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Track numéro 6, Il y en a. Il y en a. On a tout le monde. Tu veux de la bouffe, tu shit de la scène, t'es trop. Il y en a. Quand tu sors, on te voit, you vois, tu connais les déchets, il y en a. Des fécans, des fois, des pros sur coup pour faire du sale, il y en a. Il y en a qui cessent d'y croire, d'autres qui ne doutent jamais. Le général est toujours là, il y en a qui refusent de l'admettre. Pour eux, il y en a de me hard, pour eux, je n'ai aucune pitié. Il y en a qui se gênent pas pour mettre un cul au milieu de la mine. Depuis quand je suis le plaisir, j'ai toujours fait ce que je désire. J'ai pas envie de passer ma braquette, si tu me suis, c'est toi qui m'as pris du plaisir. Depuis que Socrate a du succès, il a encore plus la rage. Tu veux de la coupe, tu shit de la sève, négro, il y en a. Quand tu sors, on te voit, you vois, tu connais les déchiennes, il y en a. Des fécales, des fois, des gros sur coups pour faire du sale, il y en a. Armé pour faire la guerre de la rage, il y en a. Ah, pas mal. En fait, ce que je me dis, c'est quand j'écoute un album de rap, français du moins, par exemple, en fait, je pense au live, je pense au concert. Par exemple, dans Or Noir, il y avait des sons, par exemple comme Four, qui, j'imagine, une fois passé en live, ça doit être une pure dinguerie. Et je pense qu'en fait, que c'est le même cas pour Il y en a. Je pense qu'Il y en a en live, ça doit être une bête de dinguerie, parce que le refrain, il est accrocheur, il y a une punchline que tout le monde peut répéter. Il y en a, il y en a. Je pense que ça, c'est, ça peut être un futur gros son, là. On passe au son numéro 7, Ouragan. 5h17, du matin, bien sûr. Avec Rush Richie contre Machine, comme d'hab. Richie, yeah. N'ayez peur que du très haut, le reste est que futilité. Je fais pas l'apologie des armes, mais si j'en porte une, c'est en toute légitimité. J'ai la rage à l'ambition comme sur un pied d'Atlanta. Descends de keuf, tu sens la tape pas comme Peter Parker. Si demain tu te fais tuer, ça n'empêchera pas la vie de suivre son cours. On a tous des potes qui sont partis, voyage au bout de la vie. Bouge de ma vue, il est mauvais et vénal, un cœur de nazi, au cœur de la sud. Je suis l'ouragan, je suis l'ouragan. Oh là 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 là. Ouragan. Ouragan les gens, ouragan, bête de son. Big up à Richie pour la prod. Ouragan, R&B Beats, si je me trompe pas, c'est bien Richie Beats. Qui a aussi fait la prod de Tony Sosa pour Booba. Très très lourd. Très 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 lourd. On passe au son numéro 8. Partout la même.
Dieu. 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 Vous avez grandi ensemble, mais le droit vous a séparé. Quand il s'agit d'argent sale, c'est pas du propre que tu vas préparer. Chacun son équipe de tarés, qui va tirer, qui va détaler. Pour empêcher ces funérailles, faudrait faire ton arme sommeillée. Point, toi t'es bourré, donc tu ne vas pas. Qu'elles ont chum, elles restent avec toi parce qu'elles t'ont vu rouler dans une voiture à Solem. La rue c'est partout la même. La rue c'est partout la même. T'as ta meuf qui te trouve quand t'es au rêve. La rue c'est partout la même. La rue c'est partout la même. La rue c'est partout la même. Partout la même est pas mal. Pas mal, mais sans plus. Je suis resté là avec Ouragan. Partout la même m'a amené là. Donc je... On va voir la suite. J'espère que la suite va me ramener là, voire même plus haut. On verra. On passe au son numéro 9, comme vous. J'avais rien aujourd'hui, je veux tout. La chance m'a dit d'aller me faire foutre. Tristesse au quartier, les frères sont rebous. Si la police te sert, elle peut que t'avoue. À la tête de mon armée, y'a vraiment de quoi s'alarmer. Tu lui as tiré dessus, il avait fait walou. Négro, toi tu jetais l'oseille, moi je jetais des pierres. Je rêve toujours de ma villa avec vue sur mer. Je suis comme vous, je suis comme vous, je suis comme vous. Pas mal, pas mal, pas mal comme vous. Pas mal, mais sans plus. En fait, j'ai peur parce que j'ai l'impression que la bombe, il me prend. Enfin, il stagne. Il y a beaucoup de sons qui ressemblent beaucoup à celui-ci. Une instru trap, un petit peu mélodieuse. L'autotune, un refrain chanté autotuné aussi. J'espère qu'il y a des trucs plus violents ou vraiment rap comme... Enfin, quand je dis rap, je parle de rap non autotuné et non trap. On passe au son numéro 10, malheureux. Ma grande fille qui part en vrille, mon adolescence fut chaotique. On a toujours été hors système, on vend la drogue, on fait la sic. Y'a que ça qui puisse me ronger, comme les regrets d'un octogénaire. Si je trouve pas chaussure à mon pied, je cours pieds nus sur la pierre. Facebook, tout ce que je touche, je le détruis. Comme l'amour de mon ex-femme, j'ai décidé de vendre du textile pour rester intouchable. Je sais pas mon avenir parce que je marche dans les ténèbres. Je rappe pour oublier mon mal-être parce que je suis malheureux. Sans plus. Pas mal, mais sans plus, en fait. J'aime bien l'instru, l'ambiance que le son y pose. Il y a des phases pas mal. Il y a une petite dédicace à Jockey, quand il parle de ce négro de MTP. Mais sinon, ouais, sans plus. Sans plus. On passe au son numéro 11. Un jour peut-être. Un jour peut-être, mon bébé. Un jour peut-être. Ça reprend C'est j'aime le charme de ton âme sous ton enveloppe charnelle. Des euros téléphone, des petits coucous par SMS. T'es la princesse de mes rêves avec la beauté d'une déesse. J'ai pris l'avion pour te voir, j'ai traversé la frontière. L'amour peut nous rendre aveugles si celle-ci n'est que lumière. On avait trop de choses en... On s'aimait, on s'est déchiré, on s'est séparé plusieurs fois. Là c'est fini, pour de vrais bébés, pas comme la dernière fois. Mais le cœur ne choisit pas, je kifferons ça pour tous. Perdu face au mystère de l'amour. Un jour peut-être. Perdu face au mystère de l'amour. Un jour peut-être, oui j'aime bien, c'est pas mal. En fait, il se trouve que c'est un single aussi, je l'avais pas remarqué, mais... J'ai entendu une fois à la radio, mais c'était très bref, j'ai entendu peut-être 15 secondes du morceau à la radio. Du coup, c'est vrai que j'ai pas reconnu tout de suite à l'écoute. Mais oui, je confirme, c'est un single qui passe à la radio. Donc le son, oui, il me plaît bien. Le message est sympa, c'est une chanson. Pour le coup, c'est pas un son, c'est une chanson qui fait Mac Taylor. Une histoire d'amour. J'aime bien. On passe au son numéro 12, Seul à y croire. Mmh.
J'ai toujours été seul à y croire. 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 Je veux toucher mes rêves. Je veux toucher mes rêves. Je veux toucher mes rêves. Avant de connaître la gloire, faut connaître la galère. 93 au père, c'est ce qui coule dans mes veines. Flow, aérien comme le métro. J'aime faire un tour dans mon pad, ça pue le dépôt. J'ai la tête du coupable, même innocent. J'appelle le bras de la GAV pour qu'il m'innocent. Pris entre mille flammes, n'oublie jamais de briller. N'oublie jamais d'où tu viens, si ton père est ouvrier. J'ai toujours été seul à y croire. 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 Chacun son tour de prier, aujourd'hui c'est mon heure. Amoureux de son cul, je n'aimais pas son cœur. Tête vers le ciel, y'a plus de nuages. Quand tu regardes autour de toi, c'est la promenade. Ah, cela y croire, pas mal du tout. Hein. L'instru m'a fait rapidement penser à une instru de DJ Mustard. C'est bien une chose de vrai, c'est que les prods de DJ Mustard marchent très bien à la radio comme en club. Et du coup, elles sont beaucoup copiées. Là, on sent l'influence, ça passe bien. Le refrain est pas mal du tout. Encore une fois, il n'y a pas de featuring, il n'y a pas de duo. Même si on entend un chœur différent, enfin des abilities différentes à la... dans les refrains. Non, pas mal du tout. L'instru, pas mal. On passe au son numéro 13. À qui la faute ? Mon gilet, il est par balle, on ne sait jamais. Même sous une cagoule à deux trous, les frais se reconnaissent. Entre persuasion, dissuasion, on pense avoir le nucléaire. L'argent a plus de pouvoir qu'un noir musclé et fier. J'applique les roulés en coupé, les keufs t'ont découpé. Ce que j'entends dans vos raps, ce n'est que des foutaises. Comment croire en ce pays choqué par le Fouquet? Demande à Ben Affleck si ta meuf est blonde, méfie-toi. Conqueur, le cauchemar de la France devant vous pourra t tout sera bientôt fini d'une manière ou d'une autre. C'est chacun qui cherche qui je dis la faute. Tout sera bientôt fini d'une manière ou d'une autre. C'est chacun qui cherche qui je dis la faute. Mouais, pas convaincu. Pas convaincu. C'est dommage, mais voilà, je suis pas convaincu. L'instru est là, pour le coup, pas exceptionnel. Elle commence bien, mais pas exceptionnel. On passe au son numéro 14, VB1143. Ne finit pas de couler. Les larmes ne finissent pas de couler. Les cœurs n'en finissent plus de tourner. Quartier en deuil, personne ne sache les larmes de ta mère. T'as voulu mourir pour le tiex ou juste pour l'argent de la cesse. Tous voisins de palier, chez soi chacun sa misère. Petit frère, je peux pas t'interdire, ficère. Chaque famille a ses secrets. À chacun ses blessures, trouve ta mère. En deux quatre plans, je rapatrié. Les types sont violents et rusés. Le soir ne finit pas de couler. Les larmes ne finissent pas de couler. Les keufs n'en finissent plus de tourner. En fait, je suis partagé. Alors, ce que j'aime pas déjà dans le son. En fait, je pense qu'il aurait pu avoir un flow différent. En fait, mieux naviguer sur l'instru. Mais son flow reste bon. Et ce que j'aime du coup dans le son, c'est quoi? C'est bizarrement son flow. L'instru, elle est bien aussi. Et je sais pas, je trouve que le refrain, comme j'ai dit, en fait, ça peut être un bon son de concert. Non, je sais pas. Je pense qu'au fil des écoutes, elle va sûrement me plaire. Mais pour l'instant, je suis perplexe. On passe au son numéro 15. Ce monde me fait peur. Comme le taxi de toi, là, j'ai le sourire chaud. Sommes-nous audibles par l'écran de ce monde? Partout dans ce monde, c'est la guerre. J'ai même l'impression que ce monde tourne à l'envers. Partager les joies et les peines, laisser triompher la lumière. J'habite au père depuis ma tendre enfance. Je sais c'est quoi la galère, ce monde me fait. J'étais parti de rien, je faisais du sale en scred. J'ai vendu la gueule, trop argent, ça dans la pochette. La rue m'a donné, la rue m'a repris, la vie m'a appris. On ne rejette pas ses choix, chacun assume son tapis. Partout dans ce monde, c'est la guerre. J'ai même l'impression que ce monde tourne à l'envers. Partager
les joies et les peines, laisser triompher la lumière. J'habite ton père depuis ma tendre enfance, je sais c'est quoi la galère. Ce monde me fait peur. Ce monde me fait peur. Ce monde me fait peur. En fait, les commentaires que j'ai à faire sur ce son-là sont quasiment les mêmes que je peux faire aux trois quarts de l'album. Donc du coup, je réserve ça pour la fin de la vidéo. Son numéro 16, respecte-les. Entre braque, séquestration, drogue, meurtre. J'ai pas besoin de gueuler pour dire ce que j'ai sur le cœur. Entre braque aux séquestrations, drogue meurtre. J'ai pas besoin de gueuler pour dire ce que j'ai sur le cœur. Les gangsters qui restent en vie, respecte-les. Ceux qui se battent pour survivre, respecte-les. L'inscrit pas mal. Je suis toujours frais. J'arrive comme un coup de tonnerre dans le ciel. Il est pas mal ce son là, respecte-les, j'aime bien. Il y a l'instru elle est top. Il y a quelques passages en fait, moi, donc il y a un piano que j'aime beaucoup dans le son. En fait, c'est juste que après c'est mon avis. Hein. En fait, il y a juste des passages où il devrait pas avoir de piano, par exemple. Après le premier refrain, le couplet, il y a en fait juste des kicks et le piano. Et en fait, il y aurait juste à avoir juste des kicks et la petite mélodie derrière là, sans le piano. Après, je m'en souviens. C'est un détail. Mais sinon, dans l'ensemble, j'aime bien le morceau. Passons au numéro 17. Faire du sale. Oula. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Hier, ça avait tiré sur moi, je n'attendais pas plus que ça. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. T'as trouvé le fou sur la canne se voit la paralyser. La concurrence atomisée, gros, avec moi faut pas rivaliser. Chou, à l'ancienne, quand tu rentrais dans une banquette, c'était pour la dévaliser. Le bon affré, mon foie du sale, donc obligé de faire du sale. Depuis l'adolescence, ma vie c'est quand tu rappelles de la délinquance. Si deux trois gaillards veulent me guess, je perds pas mes couilles, je pense à la vengeance. Osez me dire que vous verrez pas un bon charisme là-dessus. Franchement, investir au bled les voyages, baiser les plus belles femmes. Vous mettez Carrie sur l'instru, ça ferait un duo de malade. Encore une fois, ce que je veux dire sur le son, je le dirai à la fin de la vidéo parce que ça correspond à beaucoup de sons de l'album. Donc, on verra ça à la fin de la vidéo. Dernier son de l'album, Outro. Outro. Je sans artifice, tu sens le sacrifice. J'ai presque tout pour moi, sautera des toujours triste. Pas besoin que les youvois, on sait qui est qui. J'entends des rappeurs chanter comme moi qui refuse le feat. Il m'est arrivé de faire juste une ou deux fois. Ils ont tous niqué la trappe, tous ces zoulous dans le rap. Nique la punchline, c'est du rap de vécu. Empêche-moi de contrôler l'esprit, j'envoie de petits qui t'enculent. Plus jamais personne pourra me doubler, plus jamais l'oubli. J'ai pas pu voir ma fille, je suis à la poupée. J'suis une Kaira, une vraie, j'assume chaque poteau. Plus besoin d'expliquer la définition du loco. Outro est pas mal du tout. En fait, c'est trop bizarre. En fait, Outro, je l'aurais bien vu en intro de l'album justement. Le sample, le son commence doucement, il y a un sample, le son est calme, mais en même temps les punchlines sont fortes, et le rythme il est puissant. Je sais pas, c'est bizarre en fait. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le son. Bon, on vient d'écouter Je suis une légende de Mac Taylor. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, je vais être clair, d'accord? Trop de trap. Il y a quelques prods qui arrivent un petit peu à sortir du lot. Je crois que c'est seul à y croire. Ouragan, j'aime beaucoup. L'instru de l'outro, j'aime beaucoup. Laisse-moi te dire. Mais je crois que c'est peut-être malheureux aussi, mais je suis pas sûr. Faut que je réécoute l'album, etc. Mais c'est que de la trappe. Alors que lui-même, il dit dans l'outro, il parle de trappe. Il dit que tous les MC qui utilisent de la trappe. Il dit ça, mais lui aussi, dans l'album, il utilise de la trappe. Donc je comprends pas tellement. Mais après. Les instrus sont bonnes, donc je vais pas dire que c'est de la merde. Les instrus sont bonnes, donc voilà, donc c'est déjà ça, mais moi personnellement je m'attendais à plus d'instrus classiques, pas de trap. Je m'attendais à des grosses prods bien lourdes, genre gangsta, rap, etc. Mais quelque chose de nouveau quoi, parce que
En fait, ce qui est dangereux avec la trap, je vous l'explique maintenant. C'est quoi? C'est que la trap, c'est un style musical, certes, qui marche bien, mais en fait, qui peut vous enfermer, qui peut vous emprisonner. C'est un style qui peut en fait emprisonner les rappeurs parce que ça leur crée une zone de confort. Vu que le style est assez simpliste, entre guillemets, seules les mélodies et après les rythmiques changent, les beatmakers ils prennent leurs aises et du coup les rappeurs aussi. Et je trouve ça dommage. MacTayer est un rappeur qui, donc c'est elle rédérale, donc le mec il l'a depuis longtemps, il a un flow de dingue, il a des punchlines de folie. Il sait en fait, c'est un bon artiste. Là, je dis pas le contraire. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez justement de prise de risque. Bizarrement, dans cet album-là. En fait, je trouve qu'il n'y a pas assez. Voilà, pas forcément de prise de risque, mais pas assez de retour aux sources ou même de. Simplement rap normal. D'accord ? Bon, à part ça, sinon, l'album, j'ai bien aimé. Et des punchlines de MacTayer, on voit que quand même, il a une grande culture de séries télé. Il fait référence à Senseiya, il fait référence à Game of Thrones, à Frank Underwood de House of Cards. Donc on voit quand même qu'il a une culture très très série télé et c'est marrant. En fait c'est marrant d'entendre des rappeurs rapper de ça. Il y a peut-être deux choses encore que je peux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a une chose que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de featuring, il y a même un seul featuring tout l'album. C'est votre Gims, deuxième son. Comme je l'ai dit après, il y a l'autre son, je ne sais plus c'est lequel, mais on entend juste des chœurs derrière, des adlibs. On sait pas qui c'est, donc voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a des sons où il aurait dû avoir un chanteur. Ou un autre rappeur. Par exemple, là, comme je vous ai dit, je crois que c'est pour faire du sale. Caris, en featuring, ça aurait été une dinguerie. Ça aurait été du lourd. Donc, je sais pas s'il prévoit un remix, etc. Mais en tout cas, faire du sale. S'il y avait Caris dessus, je vous le dis clairement, ça aurait été une bête de dinguerie. Ça aurait été quelque chose de très, 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 très lourd. S'il y a bien un truc que je trouve bizarre sur l'album, c'est quoi? C'est sa construction. Dans le sens où, par exemple, outro, dernière musique de l'album, et ben moi j'aurais bien vu en tant qu'introduction. La musique, elle est pas trop rapide, pas trop agressive d'un coup. Il y a un petit sample, son flow il passe bien. Ça aurait pu être une bonne intro, 6 minutes 2. Ça aurait pu être une bonne intro, mais c'est la dernière musique. Après, je trouve que il rappe beaucoup des mêmes choses, des mêmes sujets dans chacun son. Dans chaque son, il parle de ses enfants, il parle de donc, sa jeunesse, il parle des gars qui sont en prison, il parle de la société, etc. Mais en fait, c'est souvent la même chose dans chaque son, ce qui est un peu dommage. Ça marche, ça passe, ça plaît, mais c'est un peu dommage. En fait, ce que je pense qu'il aurait dû faire, c'est quoi? C'est qu'en fait, il aurait dû étendre tous ses sujets sur tout l'album, et en fait, rapper par partie, entre guillemets. En fait, comme si c'était son histoire qui balançait, et en fait, faire progressivement. Mais après, ça, c'est qu'un avis comme ça. Moi, je prends par exemple l'album de Kendrick Lamar, Copy My Butterfly, où en fait, c'est vraiment des phases différentes selon l'album. Mais après, c'est pas le même artiste, c'est pas les mêmes projets, donc on peut pas comparer. C'est mon avis, à vous de me dire le vôtre. Bref, si je devrais mettre une note à cet album-là, ce serait un 12. Alors 12, c'est vrai que c'est un peu bas, mais en fait le truc c'est quoi? C'est que je suis resté sur Hattrick, et Hattrick m'avait vraiment démonté la race. Il m'avait éclaté la gueule. Les prods, le flow, etc. Très très haut, très très lourd. Je crois que si je devais mettre une note celui-là, si je devrais mettre une note à Hattrick, ça aurait été 17. À tel point il était lourd. Donc du coup c'est vrai que je n'ai pas écouté MacTayer depuis 5 ans, parce qu'il me semble que Hattrick c'est 2010. Donc voilà, je m'attendais à quelque chose de différent, mais là c'est beaucoup 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 trop différent. Après bon, ça n'engage que moi, encore une fois. Mais sinon j'ai bien aimé l'album, de manière générale j'ai bien aimé l'album. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner. N'hésitez pas aussi à me suggérer des albums que vous aimeriez que j'écoute. N'oubliez pas bien sûr que ça devrait être des albums qui ne sont pas encore sortis ou alors qui sortiront très prochainement. Car je pense que c'est encore mieux d'écouter un album tout frais plutôt qu'un album qui a déjà quelques semaines voire quelques mois. Et donc qui a déjà tourné dans des radios ou alors qui tourne beaucoup sur le web. Bref, sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.